ça va toujours ? Ouais ! Allez, on y va ! Allez, changement de côté. Allez, c'est parti de l'autre côté en reverse. On y va. Ouais, c'est sympa. Ça fait plaisir de voir un booster à Cambrai. Ça fait même très plaisir. Plus un booster. Ça fait plaisir. J'espère qu'il pourra revenir à d'autres moments. Après, dans mon avis. Allez, c'est parti pour la reverse. De côté. Booster Avenger. Et voilà ce qu'on vient de faire, l'Avenger, donc le booster, donc une nouveauté de l'édition 2022 de Cambrai. Donc vraiment, ça fait plaisir de faire toujours des petits boosters comme ça. Donc bien puissant quand même, c'est sympa. Donc avec un petit décor sympathique de la caisse, vous voyez là. C'est confortable, non, c'est sympa pour une belle nouveauté pour les dissos, ça fait plaisir. Donc comme je disais dans la vidéo, ça fait plaisir d'avoir un booster à Cambrai en plus d'un câble holo 10, donc l'Infinity. Donc voilà, allez, on continue avec la suite de ce vlog. Allez. Alors j'ai juste oublié de vous dire que le booster Avenger fait donc 45 mètres de haut. Avec une vitesse entre 90 et 110 km/h je pense de poussée, et c'est du constructeur Fabry. Donc ça, le type c'est Booster et le nom de l'attraction c'est Avenger. Voilà, donc je vous laisse avec quelques plans de la foire, direction la prochaine attraction. Thank you.
envoie du lourd là. Avec une bonne ambiance, c'est super. Voilà, toujours bien de le faire. Et de nuit, il est impeccable. Clairement, une bonne ambiance. Bon, bah, on va continuer. Donc, comme vous voyez, on a toujours des stands de jeux enfantins. De la bouffe, comme vous voyez aussi. Voilà, aussi des jeux enfantins là aussi. Hein. Bref, une belle édition. Donc, on continue. On continue la suite de ce vlog. Je viens de faire le Tagada qui est en nouveauté à Cambrai, que j'ai pu voir à Amiens. Donc c'est fun de faire un Tagada comme ça avec une très bonne ambiance. Voilà, avec des effets lumière, des lance-flammes, de la fumée, c'est super sympa. Donc voilà, donc, retrouvez-le à côté du marché couvert à Cambrai, donc voilà, à côté du Mega Dancer, on va les faire. Donc, voilà, donc le Tagada, c'est le type, donc, c'est le Tagada Mega World, et le constructeur, c'est Fabri. Donc voilà, allez, on continue avec le Mega Dancer ou Ministry of Sun. Allez, c'est parti. On y va. On y va. Thank you.
Vous êtes prêts? Deux fois Amiens, et bah clairement toujours aussi bon, toujours aussi bien de le faire. Il est vraiment impressionnant, vraiment très bon. Ça fait comment dire, c'est super qu'on peut avoir ça en France. Maintenant il va le refaire pour qu'il soit encore mieux, encore plus stylé et tout. Mais clairement incroyable. Vraiment déjà là, il est incroyable. J'ai hâte de voir quand il va commencer à rajouter des trucs, à changer certaines choses, peut-être à améliorer le décor, je sais pas, on verra bien. Mais clairement il est incroyable là. Allez, c'est parti pour la suite. On y va ? Ouais ! Oh ! Le mec il fait trop bien.
parti pour le Speedy Mouse. Voilà. Donc, retrouvez-le devant le marché couvert. Voilà, entre l'allée qui va de la plage jusqu'à en haut du Palais du Rire. Voilà. Donc, c'est parti. Let's go. Oh, c'est normal que ça s'apprête à mettre sur. C'est normal. Et c'est bien parce que c'est super cool. Évidemment, pour un chasseur comme ça, pour un, c'est sympa de le. Ah, c'est bon, on peut le voir. Ouais, c'est. Bon bah voilà, on vient de faire le Speedy Mouse, bah clairement toujours aussi fluide, toujours sympa à faire ce coaster. Donc comme je disais, il est dans l'allée entre la montée de la place jusqu'au palais du Rire qu'on voit là-bas. Donc clairement c'est sympa. Vraiment sympa pour un coaster forain fluide comme ça, ça fait plaisir. Donc voilà, donc allez-y, testez-le, il est toujours sympa. Et voilà. Allez, on continue direction soit le Magic Den, soit le Air One Max. Et on redescendra en bas pour faire les dernières attractions sur la place. Allez, c'est parti. Donc le constructeur, c'est Pimfari, j'espère que je le dis bien. Donc voilà, j'avais oublié de vous le dire. Donc et le prix était à 5€, donc ça va, c'est raisonnable pour un coaster, ça va. Donc là, vous avez du coup, après plusieurs stands, donc cette queue a plusieurs stands de jeux, stands de bouffe, donc voilà, stands à tir aussi, ou à doudou. Voilà, et nous arrivons donc en face d'une attraction enfantin et du Palais du Rire qui était à Douai et qui a cambré comme chaque année, donc voilà. Et ensuite nous allons aller direction dernière partie où il y a le Magic Dance, le Grenoble et le Iron Max, voilà, avec les autos aussi et bien entendu des stands de jeu. Allez, hop là. Non, c'est bon.
Exceptionnelle machine, allez, on va dire, Maximo, attention, les amis, nous allons passer à la phase supérieure. On accélère le mouvement, on accélère la machine, et joueurs l'envoient, toute la gomme, haute voltige. Voilà comme ça, voilà, les îles font du bruit. C'est l'envoyant. Changement d'atmosphère. Changement d'atmosphère, hein. Il l'a dit, hein. Allez, un maximum de vitesse pour un maximum de bruit. Laissez-moi aller. Allez, c'est parti pour le Iron Man, comme vous avez vu. Je suis capable de tout, j'ai bouffé dans la manette.
Allez, c'est parti. Allez. Oh, bah, et là, t'es maintenant au père de Ludette. Oh, non, ça ira, les lunettes, je vais les garder. Hop là. Wow, c'est magnifique. Non, on dit pas magnifique, on dit magnifique. Thank you.
normal. Pour l'infinity, let's go, on y va. 3, 1, let's go. Que des bonhommes ici, pas de boulettes. Là, peut-être. Ouais. On repart. Hey,
la fin. Bah, c'est pas mal, hein. Très bon tour. Par contre, on sent cette âge dans cette chose. Ouais. Hey, 4 minutes de tour, hein. Pas mal, hein. Très bien. C'est top. Et c'est parti pour le check-off, donc avec plus de musique parce qu'il est passé une heure, du coup ils doivent arrêter la musique à une certaine heure. La foire ferme à 2h, donc voilà. Donc on est parti, let's go pour le check-off. Voilà, allez, c'est parti. Oh non, première accélération. Voilà, allez, c'est parti. Let's go, on y va. Bon, bah ça fait plaisir de faire le check-off à 2h du matin. À 1h30 plutôt. On a fait la fugitive à 1h05. Ouais, bah ouais, carrément. Oh, allez, c'est parti. Let's go. Allez. Let's go. Aïe, aïe, aïe. Pour vous dire, on est tout seul. Bah, lui, il est pas tout seul dans sa tête. Non, je suis plusieurs, tu vois. Je rigole, bien sûr. Plusieurs. Allez, de l'autre côté. C'est parti. Hop là, let's go, baby. Let's go. C'est parti. T'as que let's go est parti dans ta phrase. La vache. Ah, je suis mort. Alors la là, la vache qui rit. Dédicace quand même à ceux qui vont regarder la fin du vlog. On va être mort de rire. Oh là là là. La vache. Terminé en plein délire dans le check-up tout seul. La vache. Ouais, bon, putain. Oh là là là. La chèvre. Oh, le cochon. Changement de côté. Allez, hop là, let's go. Mes couilles qui rient. Pardon. Mais qui rit. Yeah.
ma poste de vlog vous aura plu dans la foire de Cambrai édition 2022. Moi je suis qui pose, qui fait autour. J'espère que ce vlog vous aura plu. Pour ma part c'était une belle foire, vraiment une très bonne édition. On a de bons nouveaux rides comme le Booster Avenger, le Mega Dancer, le Tagada, bref avec des ambiances de dingue. Retrouvez la foire jusqu'au 22 août. Pour ma part je vous laisse. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est cela, laissez un petit pouce bleu et un commentaire. Et puis bien entendu, abonnez-vous. Allez, moi je vous laisse avec ce petit plan. Allez, Julien, de la mouvement garantie, à tout de avancer. Finale, oh, finale, oh.